le Kourel qui est là, vous remercie de l'intérêt que vous portez à cette manifestation, qui est l'une des plus grandes manifestations religieuses du Sénégal. Une manifestation qui regroupe chaque année plus de 2 millions de personnes qui viennent ici commémorer l'acte que Cheikh Mohamed Bamba avait posé le 5 septembre 1895 devant le gouverneur colonial. Ça, il est bon qu'on le rappelle, Cheikh Al-Khadim dans ce palais-là en 1895, alors que tout le monde obéissait aux colons, au gouverneur général, est venu ici faire deux rakas qui ont duré, dit-on, plus de 45 minutes, n'est-ce pas, et a fait face à l'administration coloniale pour que la flamme religieuse, la flamme islamique ne s'éteigne jamais au Sénégal. Alors c'est cet acte-là que nous commémorons chaque année et nous en sommes à la 42e édition. Aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer le gouverneur, son administration, pour discuter avec lui de la préparation du prochain Magal. Je voudrais au départ dire les remerciements de Kourel à l'égard du chef de l'État, le président Macky Sall, qui attache une importance particulière au Magal des Rakas et qui le prouve chaque année par la délégation qu'il nous envoie, mais l'intérêt qu'il porte à la manifestation, à tout point de vue. Mais remercier aussi Madame la Première Dame, qui est une Saint-Lusienne, donc, et qui est à l'écoute du Kourel.